Vive en santé. Vive en santé, c'est un choix sérieux. Une émission éducative capotée information et solutions sous affaire la santé. Vous vivez en paix, en santé, même si vous pas docteur. Émission ça rapide au gérer santé familiale là, puis bien un moment. Yon variété télépacifique capotée pour chaque dimanche 5h-5h45 dans l'après-midi. Reprise chaque lundi 10h30 AM, mercredi 11h15 PM. Pour Santé PAO et Santé PAM, yon seule référence. Vive en santé avec Télépacifique. Chers téléspectateurs, c'est avec plaisir que votre serviteur, Dr Gary René, nous parler aujourd'hui d'un sujet très très intéressant et qui fait actualité. Nous parler de ça relé ACV hémorragique. Ça veut dire accident cérébrovasculaire. Ça veut dire que des maladies que moun gen côté gon hémorragie en dans cerveau. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous gon invité qui sont professeurs, qui ont spécialiste la maladie qui est occupée de cœur et de veines encore que les maladies cardiovasculaires. Et c'est le docteur Paul-Henri Morissette. Donc sans plus tarder, n'a pas passé parole à Nodia d'abord et ensuite à docteur Morissette qui pourra définir pour nous sa maladie cardiovasculaire, maladie ACV hémorragique qui s'allie. Bonjour, bonsoir tout le monde et Jean-Docteur Gary dit là. C'est avec un pile plaisir nous rentrer la car aujourd'hui à pour nous parler de AVC. Aujourd'hui à nous gain privilège pour nous accueillir et Docteur Paul-Henri Morissette. C'est avec lui nous pral font petit bat bouche sous pathologie ça. Docteur Morissette, bonsoir. C'est avec plaisir que nous avons recevoir aujourd'hui. Bonsoir Gary, bonsoir Nodia. Merci une fois encore que nous invitons pour émission ça pour nous débattre de sujet ça qui fait l'actualité ces derniers temps et que nous t'a mérité préciser certains points pour téléspectateurs. Mais là nous avons parlé de ACV hémorragique, ça veut dire accident cérébrovasculaire. Nous avons un gain cérébral et puis gain vasculaire, ça veut dire gain cerveau, gain veine. Donc comment t'as défini pour tout et téléspectateurs qui ont gagné nous là, maladie ça. Ah ben, ça est en cardiologie, nous relais, ou en neurologie également, nous relais un ACV, un accident cérébrovasculaire. C'est un déficit neurologique d'installation brutale. Cela veut dire que nous avons gagné un déficit moteur, un déficit en partie et l'encolie qui est arrivé de façon brutale. Et cause là, le plus souvent, c'est une cause vasculaire. C'est-à-dire, c'est de un vaisseau pour que le problème n'en sorti. Soit que le vaisseau a bouché parce que un caillot sans cal bouché, soit son vaisseau qui éclaté parce que il a trop grosse pression là-dedans, il pété, qui fait émettre sang sorti en un vaisseau et ça y a une hémorragie. Alors, ça pour nous rappeler, Mounio, c'est que faut reconnaître que le cerveau, c'est son structure. Pour le carré de vivant, il a besoin d'oxygène, il a besoin de sucre et puis il a besoin d'autres nutriments. Donc pour le carré de en vie, il faut le carré recevoir. Donc pour le carré recevoir, il y a une série de veines. Tu connais tout en Haïti, que ce soit artère ou bien veine, tout ça qui a mené sang, il y a les veines. Eh bien, le cerveau, il y a une série de vaisseaux, vrai nom, c'est vaisseaux, qui mène sang dans le cerveau. Donc maintenant, toutes les fois que veines soit rebouchées, soit éclatées, eh bien, zone que tu n'as pas mené sans arriver, à pas arriver, le ça, cerveau pas jeune sang, tout territoire ça, qui pas jeune sang, pas marché bien. Et c'est ainsi que nous parlons avec Dr. Morissette. Le bas est arrivé, Dr. Morissette fait ce dit, il arrive brutalement. Maintenant, qui ça malade pas le sentir encore? Eh bien, c'est un bagage qui arrive très rapidement, que mon n'a droit à la faveur de n'importe qui est en colère ou anxiété, un problème quelconque ou peut-être rien du tout, un stress ou bien n'importe, li rete brusquement li wè gon pati nan kòl, soit bouche li, soit bras, soit un pied, li vin gen difficulté pour le bouger et pour bouger pati sa nan kòl. Et parfois, li associé à des maux de tête terribles. On parle de violent mot de tête et également parfois nous n'avons droit à une incohérence de langage, la parler difficilement, la parler n'est pas capable de bien articuler mot que la dit.
et parfois quand c'est plus grave il est capable de gagner vomissement et en fait d'autres signes encore que nous capable peut-être à la longue discuter. Nous n'avons pas les deux signaux qu'on a dans mais qu'on est qui s'agit qu'à cause du monde fait AVC. L'homme pour monde fait AVC il y a certains facteurs de risque. Mm-hmm. Et facteurs de risque ça yo assez nombreux. Parmi les facteurs de risque plus importants, nous gagnons un hypertension artérielle, tension monde qui souffre tension qui pas traité tension. Deuxièmement, ou gagnons diabète. Troisièmement, ou gagnez tabagisme. Moun kap fume tout le temps. Après ça, ou gagnez obésité, ou gagnez sédentarité, ou gagnez moun ki fait cholestérol, ki fait un hypercholestérolémie. Moun kap pran, fi kap pran pilule. Et moun ki gon problème cardiaque, ki capable voyer des kayo andan e cerveau. Et parfois, c'est des problèmes même liés à coagulation sans des facteurs et procoagulants que moun nan ganyen qui fait que li fait de petit kayo que le voye en dan vaisseau cerveau et capable bloquer vaisseau. Ça c'est dans cadre et yon accident cérébrovasculaire ischémique. Mm-hmm. Mais dans cadre accident cérébrovasculaire et hémorragique yo, là le plus souvent c'est l'hypertension artérielle et également une autre anomalie qui arrive très souvent c'est quand on a des anévrismes au niveau de cerveau. Donc c'est des petits anévrismes c'est de petits côtés où vaisseau dilaté et côté dilaté a il rend vaisseau plus fragile et plus facile pour péter côté ça. Donc c'est ça qui fait que mon a la faveur de n'importe qui augmentation de pression et sanguine augmenter le sarakounia côté fragile là qui déjà fragile là li pété sans gayer la tête là et là li pral bal symptôme que nous signaler tout à l'heure. Nous remarquons que hypertension artérielle les mêmes li cause plusieurs maladies. Mais par exemple tout à l'heure le rappel laboré a parlé de mesdames qui prend pilule yo. Est-ce que ça t'a veut dire c'est moun qui prend pilule soit pour comme si pas fait petit tout ça ce type de pilule ça parce que nous connais garçon qu'on prend et comprimé tout mais est-ce que c'est un autre type de pilule n'a parlé là? Oui, mais là nous pas parler de même type de pilule là, on a parlé de pilule à visée anticonceptionnelle. OK. Derrière de filles qui prend pilule pour éviter à ce que tomber enceinte. Mm-hmm. Ou bien et des pilules que on prend aussi dans d'autres circonstances et en fait sur le plan gynécologique ça docteur René Konza et mieux passé on que mon est capable avec pilule capable favoriser formation de caillots ça en dedans et vaisseau et qui permet vaisseau boucher qui fait que et mon est capable faire un stroke. Non, bien avant n'a pousser profiter du monde faut pas paniquer. Docteur a pas dit que tout le monde qui prend pilule planning pour pas enceinte yo ka yo pral fè maladie ça. Absolument pas. Docteur a dit que ou ka gon facteur de risque aggravant surtout soit prend pilule yo et puis soit fumé tout. Ou bien si dans famille gen deux monde qui gen maladie ça déjà donc nous vinn pi à risque. C'est ça fait justement avant que docteur autorise pour prendre mode de pilule ça yo, il investigué. Ou pas arrêté qu'on se relève au matin pour l'information acheter grain pour commander pour grain. Docteur a investigué si corps et puis qui facteur de risque ou ka développé. Dans l'autre bar pour nous rappeler mon docteur Maurice est tabac 5 clinique yo l'organe gros tête fait mal ou senti tête trop éclaté ou senti bouche ou commence vinn l'eau pas capable parler l'eau parler mon à côté dit qu'elle on va te parler ensuite ou commence senti corps antigen poc en bois ou bien encore et ou pas senti ou bien en général faut pas arrêter la carou faut chercher chez mes docteur parce que maladie évolutive dans le temps. Et c'est là que prochaine étape là, n'a quitté docteur Maurice à compléter. Gagne une petite précision d'arrêt mes porter pour nous tout. Là tout facteur de risque ça yo, gain 3 pour nous-mêmes qui beaucoup plus important. C'est hypertension, diabète, tabagisme. Et 3 ça yo, c'est yo plus important, c'est yo plus grave. Et mais heureusement ce sont des facteurs de risque que nous qualifier de facteur de risque modifiable. OK. Ça veut dire. Facteur de risque modifiable là,
ce sont des facteurs de risque que si vous traitez, vous va écarter de ou possibilité pour faire complication ça. Ce qui veut dire que moun qui a une hypertension, s'il traite hypertension correctement, l'écarter risque ça. Si diabétique là, traiter diabète li normalement, l'éviter, la éviter gagner un accident cérébrovasculaire. Et quant à pour tabac là lui-même, son bagage que moun ne pas de faire du tout. Là encore, sous quitter et tabac là, m'a dit diminuer non, m'a dit quitter. Là, on gagne beaucoup plus de chances pour éviter des complications pareilles. Nous connais alcool, l'eau boire, il gagne un effet sur cerveau tout. Alcool là, alcool là c'est un facteur de risque là tout, mais li moins important que des facteurs de risque comme le tabac, le diabète et l'hypertension. Je vais déplacer le débat. Docteur Garibé m'a accentué sur ça parce que c'est gynécologue. Par exemple, on t'a parlé de pilules mesdames on prend pour éviter de tomber enceinte. C'est vrai que il y a des gens qui prend méthode de piqûre, des gens qui prend l'autre méthode. Mais est-ce que yo pas gain pilule yo vraiment ou bien quelle que soit méthode là yo pas gain effet secondaire? Quel que soit médicament qu'on met dedans ka gain effet secondaire. C'est ça qui fait que vous calculez les risques par rapport aux bénéfices attendus. Donc c'est ça qui fait que vous pas bay n'importe qui pilule à n'importe qui monde, enfin, ou du moins à même série de moun yo, vous obligé aller au cas par cas. C'est ça fait chaque pilule yo gen un dosage de produit. En général, la pilule qui combine yo, vous le combiner parce que vous gagnez deux hormones, gagnez œstrogène et progestérone, plus ou moins gagnez risque pour développer maladie ça yo. Ou bien doit soit ou chercher pilule qui a moins concentration d'œstrogène, c'est les mêmes qui facteur de risque aggravant, ou bien carrément ou passer à la méthode mécanique. Ça veut dire qu'on pas prendre presque monde ça des hormones du tout, ou bien monde des méthodes mécaniques tant que stérilet, ou bien encore ou faire monde mettre capote. Ou bien encore si son monde qui fin fait nombre de petites que veut faire, ou faire le fond méthode définitive quand ligature des trompes. Donc ça veut dire que planning là, bon ça ne pas le débat, c'est débat, c'est pas en bail qu'on fait volontairement comme ça, ou alors qu'un docteur, gynécologue, ou bien un monde qui est spécialiste dans ça, lui accompagne dans le choix, et puis il faut faire meilleur choix, d'une part par rapport à la compliance, ça veut dire comment observer la méthode là, mais d'autre part par rapport au risque qu'on a développé, où tu es bien propre, qu'on a fait une prévention, et puis qu'on a développé un problème. Ah ok, parce que c'est ça m'apprend. Moi quand mon dégât doit ou est-ce que docteur ali même dans méthode la prescription, par exemple, j'en t'appelle de pilulio, est-ce que le cas ouais puis devant mon cavine et développer un AVC. Voilà, c'est tout à fait ça. Si vous, si docteur ouais qu'on gagne des risques, par exemple, ou hypertendu, ou diabétique, ou fumé, ou pas un candidat du tout pour mode de méthode de contraception, ça laisse ça comme il y a d'autres méthodes, vous pouvez proposer d'autres méthodes. Alors, tu as un petit rappel sur ça que Dr Moïse dit déjà concernant apport hypertension artérielle, diabète et puis mon cap fumé. Docteur a parlé de anévrisme. A dit m'a rappelé pour nous qui s'allier, il y en a regardé sur tableau là, nous voyons son cerveau côté une série de petits 24 menaces dans le cerveau. Les veines ça éclaté sans gagner la tête là. Mais il y a des petits veines qui pas éclaté qui compte gonfler qui pourquoi éclaté. Si vous voulez, anévrisme au cas fait avec. Okay. Ok. Et puis, on joue à la faveur de maladies chroniques, tension, ou bien sucre, ou bien qu'on va peut fumer, ou bien on peut faire un ou bien on fait un choc émotionnel quelconque. Une là-dedans éclaté, et puis qu'on a l'élagé sans le cerveau, laisse ça ou vient un accident cérébrovasculaire. Est-ce que y a un monde qui fait accident vasculaire cérébral, est-ce que monde n'a pas une chance pour le sauver? C'est une très belle question et n'a bon. Pas de spécialiste la répondre non. Oui, au monde qui font accident cérébrovasculaire et li gagne une chance pour le sauver ou elle gagne chance pour le mourir. Ça va dépendre de qui ça. Ça va dépendre tout simplement de importance vaisseau qui intéressé. Si son caillot, qui gros ce caillot ça et qui importance vaisseau que le boucher. Plus que vaisseau que le plus vaisseau que le boucher a, son vaisseau qui gros, plus pral gon territoire dans cerveau qui un plus gros territoire dans cerveau qui pral qui pas irrigué et là conséquence yo a plus grave. De même tout, si son vaisseau et si vaisseau a li pété un côté qui c'était un gros anévrisme qui était là, eh ben la pété et côté la pété a hémorragie a très importante et, la, et avec hémorragie ça, l'a gagné et risque pour mourir plus important. Donc, ça va dépendre tout simplement de qui
qui calibre vaisseau qui intéressait le processus hémorragique là ou le processus thrombotique là. Plus vaisseau à gros, plus risque là est grand parce que territoire que vaisseau ça et vascularisé est beaucoup plus important, donc conséquences pour le plus grave. Question d'abord pour vous, c'est parité homme-femme. Tout le temps, on dit que garçon avec fille égal. Mm-hmm. Est-ce que devant maladie, ça est égal tout? C'est-à-dire, est-ce que. Vous manifestez même genre? Est-ce que garçon avec fille, la quantité de monde qu'on peut recevoir dans la clinique ou l'expérience personnelle, est-ce que c'est à peu près 50-50 ou bien il y a plus de filles qui gagnent ou il y a plus de garçons que gagnent? Nous avons tendance à avoir plus de filles qui ont problème et hypertension. Et surtout après la ménopause. Donc risque d'accident yo un petit peu plus élevé, mais c'est pas un bagage qui est énorme, il y a à peu près c'est quand on peut-être un 45 55 55 et 40 60 mais qui est à peu près chiffre là. Donc pas gain de quoi pour mesdames vous bien inquiéter que messieurs. Et mesdames yo et facteurs de risque cardiovasculaire, mesdames yo jusqu'à la ménopause yo protégé comparativement à nèg yo. Ou après que c'est après ménopause yo plus risqué après là? Ménopause que pas gain sécrétion hormonale encore qu'a protéger yo vinn légal de l'homme. C'est à dire que yo vinn et en fait li vinn 50-50. Mais avant la ménopause, garçon beaucoup plus et fait beaucoup plus accidents cérébrovasculaires que fille avant la ménopause. Mais après la ménopause, yo vinn égal. C'est okay, de la recommandation qu'on n'a qu'à faire à mesdames. Normalement, il faut faire un check-up annuel. Ça veut dire que chaque année, avant fête, nous, parce que son recette map, ben nous, deux ou trois jours avant anniversaire, nous, avec le docteur, nous faisons un bilan, nous gardons comment on est. Maintenant, là, nous dépassons, là, nous, on post-ménopause, nous finissons ménopause. Faut vraiment pas prendre ça au sérieux parce que Jean docteur Maurice dit, hein, la clientèle qui est exposée à l'accident cérébrovasculaire, mesdames, après ménopause, ils sont plus à risque. Donc, son appel clair. Donc, mesdames, s'il vous plaît, depuis nous arriver dans la zone périménopause et post-ménopause, pas faire négligence, surtout si vous êtes déjà hypertendu ou bien diabétique ou bien à fumer une cigarette, il faut faire attention. Est-ce que ça t'a dit c'est pas sûr? Je vous dis, quand vous conseillez, particulièrement mesdames ménopausées, association ménopause et cigarette, c'est une association qui mortel, son association grave liée. Plus on fume, plutôt on fume ménopause et la fumée, plus la baille et problème cardiovasculaire. Son association qui pas de faire même depuis y a ménopause puis y a plein fumée, ça c'est un gros et augmenter facteur de risque considérablement, il fait que risque cardiovasculaire augmenter nettement. Est-ce que ça t'a voulu dire que c'est parce que moun yo pa gen règle encore qui cause ça? Non, c'est pas pour qui ça yo pa gen règle encore, c'est parce que yo gagnen des sécrétions hormonales, yo gagnen ovaire qui pas produit suffisamment et d'hormones même genre encore avant que yo était ménopausé. Mm-hmm. On y a une fois que yo ménopausé, yo pa gen sécrétion hormonale ça encore qui t'a protégé avant la ménopause, qui fait que qu'on y a yo vinn sans protection. Par exemple, et ka garçon pa gen sécrétion et d'hormones ça yo, donc garçon yo même livré avant la ménopause, mais après la ménopause yo même tout yo vinn même Jacques garçon yo pas gen sécrétion hormonale là non plus qui pour protéger yo, donc yo vinn gen même risque là. C'était avec plaisir que nous t'a recevoir docteur Paul-Henri Mossette qui t'a débattre avec nous aujourd'hui hein, de maladie ça que nous les accidents cérébrovasculaires hémorragiques. Nous parlons pour une petite pause et puis nous allons retourner tout à l'heure pour nous poursuivre l'émission. Vive en santé à Télépacifique. Chers téléspectateurs de Télépacifique, émission que nous remet en pile là, vive en santé à continuer avec nous. Aujourd'hui, nous allons recevoir Dr Paul-Henri Mourissette, qui est un spécialiste dans la maladie cœur avec maladie vaisseau. Et c'est avec lui que nous avons continué à parler d'un sujet intéressant, nous avons parlé d'un sujet qui va en pile panique dans la ville, nous avons parlé de Saoli ACV hémorragique, accident cérébrovasculaire hémorragique. C'est de son problème côté que lorsqu'on fait maladie tension, maladie sucre ou fumer cigarette, eh bien, il y a des facteurs de risque pour que si vous ne faites pas attention ou pas contrôler tension,
ou pas faire attention à la maladie du sucre, ou pas prendre médicament, ou vivre n'importe qui gens, eh bien justement, ou bien fumer cigarette en pile, surtout sous son fille ou faire ménopause, eh bien ou risque un jour bon gros tête fait mal qui prend, ou senti bouche ou commence à venir lourd, ou senti corps commence à blaguer ou commence à pas combo, c'est courir à docteur parce que c'est maladie ça que les ont ACV hémorragique qui doit commencer. Et c'est pour une bonne explication aujourd'hui, j'aime te dire nous là, quoi, nous avons animé l'émission ça avec Mme Nodia et nous avons recevoir Dr. Morissette. Mais question nous pour Dr. Morissette maintenant. J'en ai une catastrophe, maladie ça y est. Est-ce que l'on malade arrivé dans la clinique ou dans l'état que tout le signe qu'on a décrit là, est-ce que y a un traitement pour les gens? Certainement, ça dépend de l'inquiétude qui stade où est mon nom. Il y a un signe qui est assez important d'ailleurs, que nous ne pouvons pas même signaler et nous allons venir à l'esprit là, c'est des troubles visuels. Par exemple, mon arrêté, il était brusquement pendant quelques minutes, il a arrêté, il n'a pas ouais du tout. Ou bien, il n'a pas ouais tout champ visuel là, il n'a pas ouais tout baïnette, il est parti seulement et dans les yeux. Donc, ça également, c'est capable de faire un signe de. Accident et cerveau vasculaire, il a également fallu aller au docteur pour ça. Et est-ce que vous n'avez pas un étourdissement dans la conduite, par exemple? Tout ça capable de briver. C'est-à-dire que toute série de symptômes qui capable de briver brutalement et qui en rapport avec l'accident cerveau vasculaire. Alors, docteur, vous avez demandé tout à l'heure, est-ce que vous pas capable de traiter ça? C'est sûr que si vous avez un accident cerveau vasculaire, ça dépend du stade que vous arrivez. Si vous arrivez tout de suite après la crise, il y a un traitement qui est plus efficace. Si plus ou tant de temps passé, plus vous êtes capable d'arriver à des stades qui sont plus compliqués et à ce moment-là, traitement plus difficile. Par exemple, si vous faites une embolie cérébrale ou bien une thrombose cérébrale et vous allez chez le docteur. Mais, pour qu'on ait souffert problème ça yo, si c'est un embolie ou ben si c'est un hémorragie salier, il faudra que vous fassiez des examens pour vous. Et notamment examen qui plus important pour faire c'est un scanner ou bien un MRI et MRI MRI résonance magnétique et donc c'est plusieurs appellations. C'est deux examens ça yo, ben trois examens ça yo qui pourraient permettre d'identifier exactement qui problème que lié. Est-ce que c'est une thrombose, est-ce que c'est une hémorragie? Parce que si c'est une thrombose, traitement différent. Si c'est une hémorragie, traitement différent. Traitement pour le faire pour hémorragie, ou pour le faire pour thrombose, excusez-moi, soit le faire l'hémorragie ou aggraver la situation. Donc il faut bien préciser pour qu'on ait exactement qui cause le avant que ou et agit. Si c'est une thrombose, et si vous arrivez assez tôt, c'est-à-dire dans les 2 heures, maximum 3 heures, et dans certains cas jusqu'à 6 heures, mais en général jusqu'à 6 heures, elle n'est pas fini trop bon. En ce général, meilleure heure, c'est entre 2 heures et 3 heures. Vous avez fait ça pour une thrombolyse. Cela veut dire que vous avez un médicament qui fond caillou, et à ce moment-là, vous avez une récupération presque totale, ou bien totale. Mais, le médicament, ça, il contre-indiqué si son hémorragie. Donc, ça fait faut préciser, est-ce que c'est une thrombose, est-ce que c'est une hémorragie? Si son hémorragie, là, compliquer situation mon. Si son hémorragie va compliquer situation. Mais si on y a problème de base là, c'est ton hémorragie lié, là traitement pas même. C'est pour éviter ba mon aspirine, c'est pour éviter ba mon et l'autre anti-agrégant et plaquettaire, tout médicament qui a une action sous coagulant, faut éviter ba yo. OK? Et ensuite il faut que le plus souvent ce sont des gens qui déshydratés, fort ou réhydratés. Le plus souvent, ils sont capables de gagner des œdèmes cérébrales, fort résoudre des problèmes d'œdèmes cérébrales. En même temps, qu'on va considérer, qu'on va régler tout facteur de risque là, que c'est tension, c'est diabète, que c'est toute l'autre complication, tout l'autre facteur de risque. Il faut contrôler tout facteur de risque en même temps qu'on va contrôler les symptômes là. Moi, je me compte que dans le début de l'émission, comme si nous parlions de. Facteurs de risque et puis nous parler de tout ça qui est capable de cause et nous parler de symptômes tout. Mais moi j'ai un aspect qui néglige mais par contre s'il fait partie de ça tout, est-ce que façon mon yo manger pas gain rapport avec AVC? Certainement. Un monde
cap consommer en pile sel qui est hyper tendu d'une part son facteur de risque cardiovasculaire en plus de ça mon yo des fois yo pas vle respecter et diète yo ba yo yo vle faut que manger salé faut que manger sel mais plus ou manger plus ou hyper tendu ou manger sel ça son pas contrôler ou plus ou grand risque pour faire AVC ou diabétique ou fait pour suivre traitement diabète ou sou pas suivre traitement diabète là et en plus de ça ou ap manger bagay sucre ou manger ça ou pas de manger ou pas grave situation ou fumer ou pas vouloir arrêter ou pas grave situation et ainsi tout facteur de risque faut essayer contrôler pour éviter aggraver situation. OK, alors, est-ce que pas grand problème par exemple moun qui a mangé viande rouge le soir yo qui pas digéré si facilement même si moun n'a pas connait s'il est souffri de hypertension artérielle ou bien de diabète, s'il pas diabétique j'en a dit, est-ce que pas grand l'autre risque par exemple c'est pas tout monde qui a contrôlé tension, il senti une migraine ou bien il pas contrôler ça. OK. Tout ça yo, tout ça obsien là, c'est ça ou les désordres alimentaires. Moun nan manje n'importe, li comprend, li capable manger n'importe ça vle, n'importe qui le et en n'importe qui quantité. Et boire n'importe boisson. Et boire n'importe qui boisson. Ça c'est pas bien, ça son hygiène alimentaire qui pas bon du tout. Donc, faut que ou moun essaye regarder un poids normal. Ce qui veut dire faut pas obèse, faut faire sport, faut alimentation le plus et alimentation la plus saine possible. C'est-à-dire, faut que ou manger ou pas manger quantité sel en excès, surtout sous hypertendu, faut qu'on prend médicament et ou pas manger et ou on diète hyposodée. Si ou diabétique, faut qu'on un régime adapté et ou faire traitement sucre. Donc chaque facteur de risque faut contrôler en même temps qu'on va contrôler et ou prend médicament pour régulariser symptômes que gagne, c'est comme ça seulement capable de régulariser le problème. Alors docteur Morissette, pendant t'a préparé l'émission, il y a deux trois monde qui posent une question. Question parle pas être ridicule mais faut poser quand même parce que mon yo dit pour mando si yo hypertendu, yo chita en bas pieds amman ou bien ou boit tes amman. Ou bien si on fait sucre et puis on boit thé amer, est-ce que si là ça pas besoin prendre grain encore, ça suffit pour stabiliser et sucre et tension. Bon. Bagay sa yo, c'est de croyance populaire que moun yo t'a supposé quitter. Et malheureusement, moi-même pendant on dit ça, on parle avec deux monde, des monde qui t'a supposé des monde éclairé. Kabdou, oui. Moi te senti tension élevée mal chita en bas en pieds en main. Mais mes amis, comment vous voulez passer au chita en bas en pieds en main vous faites tension baissée? Comment vous voulez vous prendre pied on fait en main ou mettez le sous tête ou on fait en main ou mettez en bas pied pour dire tension à baisser? Jamais, ça c'est la tête ou ça est. Mais en fait tension en pas jamais bouger, au contraire tension va continuer monter et la tuer. Donc pas grand bagage comme ça. De même que pour sucre là, comment vous voulez parce que ou diabétique ou tout vos pommes bagaille amer ou mettez dans bouche pour dire ça que comme si bagaille amer pral et compenser et faire que sucre. Non, c'est pas vrai du tout. Quantité sucre ou gagner la prêté même bagaille bagaille amer a fait route pas sucre a fait route pas. Donc ce qui veut dire que ou pas régler un rien en leur fait genre de pratique ça. Sucre pour traiter, tension pour traiter, cholestérol pour traiter, diabète pour vous traiter et pas boire alcool, pas fumer, faire sorgan pour faire, pas passer par des trucs. Ça y a dit là, y a pas existé du tout, c'est dans croyance populaire moun yo. On l'autre bagay m'a tout attirer attention nous sous. Parfois moun yo font accident cérébrovasculaire, y arrive l'hôpital et puis ou tande yo dou kon sa que oh oui, soit papa yo ou bien maman yo ou bien on l'autre zanmi te di yo c'est pas pour bayo sérum, c'est pas pour bayo piqu. Ça fait même partie de bonne vieille croyance populaire ça yo qui pas aucun fondement. Si ou gon accident cérébrovasculaire yo pas ba ou et yo pas ba ou piqu pour bayo pour faire tension en BCA ou a mouri. C'est pas piqu a capture, c'est maladie a capture parce qu'on pas traité. C'est de même que fok yo ba ou yo ba ou et sérum yo sérum nan parfois c'est parce que moun nan déshydraté yo obligé ba le sérum parce que tension le baisser fok yo remonter et yo remonter tension là un certain niveau surtout quand son malade qui gagne
et gain une chute intentionnelle qui capable accompagner et dans certains cas d'accident cérébrovasculaire. Donc faut essayer établir un équilibre, c'est-à-dire que vous avez une tension qui plus ou moins rapprochée de la normale. Tout ça c'est des bagages pour faire bonne croyance qui dit que pas prendre piqûre, pas prendre sérum et al chit en bas pieds en man, boitez en man, mangez en man et bagaille té en mer pour bagaille, tout ça c'est de vieilles croyances qui pas servir nous rien si ou pas nous pas besoin pratiquer bagaille ça c'est pas ça pas servir rien. Même grande question pas maintenant c'est pour monsieur m'a poser. Et par exemple, nous connaissons des monde qui rentre en âge et puis qui gagne dysfonctionnement érectile. Bon, on nous dit monde qui pas garçon ou bien qui pas trop qui pas campé ou bien garçon mais oui, il y a des petits problèmes. OK, il y a des petits problèmes pour durer, il y a un problème d'endurance. Monde ça yo, soit yo amuser yo, y a prend Viagra ou bien l'autre stimulant qui pour sexuel. Mais nous connaissons dans chaque médicament c'est pas mauvais Viagra mauvais ou bien quel que soit stimulant sexuel qu'il a pris, mais nous connaissons dans chaque médicament gain dosage li. Qui problème ça capable causer capable un monde qui hypertendu ou bien qui diabétique qui prend stimulant sexuel sans le pas gagner une dose que li respecter ou bien c'est pas un urologue ou bien un sexologue quel, ou bien c'est pas un docteur qui prescrit li. En fait tout médicament comme on apprend li recommandé que c'est un médecin qui prescrit pour que l'adapter jondia dose qu'on apprend a besoin qu'on gagne pas gagne une dose donnée pour chaque monde gagne une dose pour que adapter à situation c'est-à-dire que et là et on parlait de Viagra de effet de durée de bagarre comme ça. Viagra pas faire aucun monde durée. Viagra tout simplement lui augmenter et force érectile là point barre, mais pas va le faire monde durée. Par contre, il y a une série de médicaments, de série de boissons énergisantes qui gagne taurine là-dedans, qui gagne caféine là-dedans, qui même cocaïne là-dedans, qui gagne série de et produits comme ça que il apprend pour être capable augmenter puissance sexuelle. Ça yo, ce sont des médicaments qui assez graves quand ou gon hypertension ou gon diabète ou gon ba. D'ailleurs, yo tout gan sucre là dedans, yo contre-indiqué en cas de diabète. Yo les produits ça yo que gen là, contre-indiqué ka des moun qui hypertendu. Donc là, y a fait tête yo du mal en le prend médicament ça. Mais on remarque que de plus en plus conseil de petits jeunes qui pas aucune dysfonction érectile qui pas même gain pour prendre médicament comme ça du tout et c'est eux même qui t'a gonflé et quoi avec un bon médicament que pas besoin le ça yo justement récolter effet secondaire là yo effet bénéfique là yo et pas même moi même nous remercier fidèle téléspectateur qui remet émission ça en pile émission que remet en pile là vive en santé. Na remercier docteur Paul-Henri Morissette qui t'a fait un honneur participer dans l'émission ça. Na remercier également Nodia qui est toujours très chauffé dans l'émission ça que n'a pas activé. N'a rappelé moun yo que jodi hein nous t'a parlé de accident cérébrovasculaire hémorragique. Donc nous t'a parlé de problèmes que être humain, c'est-à-dire garçon ou bien fille qui a gagné lorsque une série de veines qui pétait dans tête ou pour n'importe quelle raison, particulièrement moun qui fait sucre tension, moun qui a fumé cigarette et qu'a boire n'importe quel produit sans que pas gain contrôle, eh bien moun sa yo ka gain des séquelles très graves qui allait depuis on simple paralysie jusqu'à la mort. Donc nous croyons que Jean d'émission sa yo là pour permettre nous faire prévention. Et n'a rappelé autour que même Jean si nous gain machine nous fait service là dedans chaque année, eh bien chaque année même là nous pas senti rien, nous pas fait sucre, nous pas fait tension, nous pas rien, nous penser nous pas gain yo, li plus sage pour régulièrement nous faire check-up parce que prévenir vaut mieux que guérir. Merci, à la prochaine. Vive en santé. Vive en santé, c'est un choix sérieux. Yon émission éducative capotée information et solution sous affaire la santé. Pour vivre en paix, en santé, même si ou pas docteur,
Émission ça pilo gérer santé familiale la pi bien un moment. Yon variété télé pacifique apporté pour chaque dimanche 5h 5h45 dans l'après-midi, reprise chaque lundi 10h30 AM, mercredi 11h15 PM. Pour Santé PAO ak Santé PAM, yon seule référence. Vive en santé ak Télé Pacifique.